Et coucou les amis, en direct de Baluchon pour des essais en mer pour une journée. Bon, il fait pas super beau, il fait même un peu frais pour un mois de juin. Mais bon, il y a un petit vent de, je dirais, entre 5 et 10 nœuds. Donc c'est pas la joie. Et on va, nous, plein vent arrière, à 4 nœuds 4. C'est un petit peu le mode essai, là. Rien n'est rangé, mais bon, ça marche. Alors, je vais vous parler. Là, je suis en plein vent arrière avec un peu de vent de ce petit pilote. Là, je vous en avais déjà parlé. C'est un monsieur que j'ai rencontré sur un quai qui a pondu un pilote électrique assez génial. Alors, j'avais pas prévu d'en avoir un, mais bon, là, si un jour vous avez besoin de changer par rapport à des pilotes du commerce avec un vérin, là c'est des pignons en plastique, et évidemment ça tient jamais, ben, vous passez votre temps à le réparer. Ben, moi je vous conseille d'acheter ça parce que c'est vraiment tout simple et c'est assez génial comme système. Donc il n'y a pas de vérin, c'est un cordage qui fait courroie un petit peu. Alors moi j'ai été obligé de bricoler les élastiques parce qu'évidemment c'est fait pour des bateaux plus grands. Donc il y a un élastique qui est pas assez tendu sur le côté, mais ça marche vraiment parfaitement. Et ça a l'air de rien consommer. Je presque pas consommer d'électricité aujourd'hui. Donc voilà, c'est assez sympa. Moi je suis assez content d'avoir rencontré ce monsieur-là qui m'a gentiment proposé de m'en offrir un pour la durée du tour du monde. Et finalement, bah, je suis très très content de ce genre de système de bricole. Je vais vous mettre le lien en fin de vidéo. Parce que vraiment, si vous avez l'intention de changer de pilote rapidement prochainement, il faut regarder cette option-là. Je vous la conseille vivement. J'ai pas de part dans la société. Hein, donc, c'est juste parce que bah, c'est assez génial comme principe. Voilà. Donc là, 4-4. Bon, j'ai eu un petit souci, un petit moment d'inquiétude aussi. C'est que j'avais une goutte d'eau de mer sur mon matelas. Je dis, mais d'où elle vient? Et finalement, c'est ce boulon-là qui suinte un peu. J'ai pas mis assez de mastic. C'est les boulons qui servent à boulonner la quille. Et donc là, j'avais pas mis assez de mastic. Et une petite, je le voyais pas parce que c'était vraiment un suintement. Et donc j'ai eu un moment de panique, enfin de revoir, de restratifier le puits, enfin de. J'ai imaginé plein de scénarios possibles. Finalement, c'est juste un petit suintement. Voilà. Donc bah, que vous dire de plus, bah, tout marche impeccable. Hein, ça va le faire. Donc là, on passe devant les îles Cinquet. Voilà, c'est Cinquet-Portrieux. Les îles Cinquet, c'est de l'autre côté. On commence par le tour des îles Cinquet, puis après on fera le tour du monde, si on a de la chance. Voilà, bah je vous souhaite une belle journée. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon départ, hein, je reçois plein de messages, mais je n'ai pas encore fixé de date de départ. Donc bah, je vous tiendrai au courant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. Et bah, je comptais partir en catimini, mais ça va être un peu délicat quand même. Bon bah, je vous tiens au courant de toute façon. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.